Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Fallout 4. Alors, le coffre du Cryolator. Oui, parce qu'entre deux, je suis passé maître. Alors, petit détail technique, voilà. Pour ceux qui n'auraient pas vu mes stats, mes nouvelles stats. On en est là en fait. Hein. Je suis passé à 3 points ici. Un troisième point par là. Simplement en construisant. Vous ne pouvez pas avoir rien raté, je vous rassure. C'est juste en construisant, en bâtissant, que j'ai développé mes points. En soi, j'ai fait un réseau électrique que je vous montrerai plus tard. Et donc, nous sommes revenus chercher ce fameux coffre. Puisque maintenant, je suis maître. Alors. Ok. Hein? Oh, c'est si sensible que ça? Génial. Ok. Alors, un cryolator. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Cryo 200, dégâts 21, cadence de tir. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça fait. Mais à mon avis, ça doit bien geler. C'est massif en tout cas. C'est ultra massif. Ça a l'air assez précis. Le viseur est bon. Voilà. Alors on tire d'ici. Déportation mon tout court, déportation. Et le tout qui se téléporte. Hein. Comme ça. Hein. On a ce cryolator. On va l'emmener avec nous, on va se balader un petit peu avec. Hein. On va aller voir. Et il y en a un autre qu'on doit aller chercher. Qui est au nord Diamond City, dans le Backstrap Apparel. Là, on était allé. Donc, hop. À mon avis, il va y avoir quelques vilains. On va pouvoir essayer ça là-dessus. C'était ici, Backstreet Apparel. Ok, go. Parce qu'il y aura à nouveau des méchants. Hein. Il va falloir tuer les méchants. Hein. Parce que nous, on a un gentil. Obligatoirement, donc le gentil tue les méchants. Et le gentil tue. Et tu es gentil. Ouais, c'est comme ça. Ah, c'est fumant, hein. Les gars, il fait frais. Mettez vos vestes, hein. Couvrez-vous, hein. C'est stylé. J'ai pas mais... Un style comme flingue, c'est un bon style. C'est un bon style. Un très bon style. J'ai l'impression que les lieux sont restés vides. Alors... Putain, sinon on ira jusqu'à la mine avec. Hein. On restera là-bas. On va tester cette arme, on va pas la... Pas non plus remballer ce flingue sans l'avoir essayé. Alors j'avais marqué pourtant dans le couloir en face. Parce que c'est dans cette salle-là que j'ai laissé le coffre. Le voici. Déverrouillé. Ça va être trop beau du premier coup. Ah, c'était plus bas. Voilà. Joli. Et voilà. Il n'y a plus qu'à redescendre. Bon, des babioles, mais beaucoup de babioles, hein, avec du radix, du radeau et tout ce qu'il faut, quoi. Hop, la sortie, par ici. Tuc. La 300 que j'avais pas récupéré. Le gars qui se fait des super réflexions. Ok, cool. Bah écoutez, on va l'essayer sur des méchants. Hein. Parce qu'on est des gentils. J'avoue, j'ai fait surtout le nord de la map. Bon, j'ai quand même bien avancé sur le nord de la map, hein, faut dire quand même. Ouah, comment tu fais pour viser toi? Mais toi t'as la foi quand tu vises. Alors tu fais croire que tu vises. Ah. Alors, si on a un petit... Addict, voilà, résistance aux radiations, merci. Et... Hop, fais-moi gagner du temps.
temps. Ouais, je prends quand même de la radiation là. Hein. Je mange quand même. Hein. C'était par là. Il nous reste toujours les pillards à démonter ici. Hein. Leur chef qui... À Dunwich Borough, leur chef qui s'amuse à piller le village d'à côté. Nos amis. Nos amis les ghouls. Qui trouvent pas sa ghoul. Alors là quand même les gars, le piège est quand même pas très très discret. Alors c'était quoi la... C'était quoi l'astuce? C'était ça l'astuce. Un 10 mm. En plus c'était pas méchant comme flingue. Hein. Disons qu'il y a plus méchant quoi. Alors ici qu'est-ce qu'on a? Pas le temps de voir. On prend tout. Aller voir là-haut, on va voir là-haut. Il faudrait une clé. Ah. Donc il y a le boss qui a une clé. Déjà, ça devient intéressant. On va trouver notre première victime du Cryolator. Hein. Personne qui va venir remettre le disjoncteur. Du bruit. C'est que du bruit. Merde, c'était quoi ça? Voilà, on va te cryoliter, on va te... Oh, c'était bien ça. C'était bourrin. Mais alors, ça se recharge, comment ça se passe? Par contre, les munitions, ça a l'air... ça a l'air vachement limité. Donc on va reprendre le flingue. Mais voilà, au moins vous l'aurez vu. Vous aurez vu ce que ça fait. Alors là, on va pouvoir désamorcer la tour MK qui est en face. Urgent. Attention de la direction. Nouvelle de la station machin. La sécurité avant tout. Les rambardes. Ok. C'est un peu du blabla. Happy Hour. Annuel. Hop là, oh mince. Je vais sortir tout de suite. Commande de tourelle, merci. Désactivé. Rien en cours. Ok, GG. Bien la foi si tu crois que tu peux me trouver. Ah oh, genre ton rayon passe. Allez. Voilà, t'es calmé. Ouais ouais, tu devais me trouver hein, ce qui paraît. Hein. Ok, 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 donc eux ils sont calmés. On peut casser ça? Non, on peut pas. Qu'est-ce que je me disais? Bien, eux je me disais. Par contre, il y avait ça aussi à voir. Alors, il y a plein de petits chemins à gauche, à droite, donc on va quand même les explorer. On est là pour ça. On est là pour ça. On va tout pouiller. Il n'y a pas de raison de leur laisser la moindre chose.
Ouais. Après c'est très carré hein. C'est une ambiance cubique hein. Je sais pas, c'était une dédicace à Minecraft. L'air d'être par là. Moi je vais aller par là. Ouais, la petite indication radar bien sûr. Oh, on peut dormir un petit peu. Ouais, dormons une heure. Ah, ça va meilleur. Manque un ou deux points de vie. Je les ai récupérés. Ils serviront. C'est un ou deux points de vie serviront plus tard. Ouais. Ah bah oui, c'est le moment de se faire des petits points sur le... C'est fou en fait. Mon arme fait moins de dégâts que les autres, mais j'ai l'impression que je fais mes genres mais plus de dégâts en 10 mm quand même. Alors que affiché pourtant j'ai l'air de faire moins de dégâts. Je vais gratter le coche quelque part. Un truc que j'ai pas compris. Et au passage je n'étonnerai personne. Ok. Poursuivons. Poursuivons les poursuivants. Ah, il était bien tendu celui-là. Il y a juste le petit éclairage devant qui fait qu'on le voit pas. Il est malgré tout discrètement mais sûrement très bien placé. Alors par contre c'était quoi? Ah là, des grenades. Quelle grenade. Je l'ai désamorcé. Tout va bien. Tout va bien se passer. Novice. Ouais, ouais, bah si c'est pour kéké, c'est bon, ça passe. Clac, et c'est réglé. Psycho un buff out. Et point 45. Ouais. Et ouais, ok. Rien de bien passionnant, mais toujours une petite cache avec des armes, ça fait toujours plaisir. Pas oublier que j'ai toujours pas équipé mes troupes. Ah, tard, dommage, je suis tombé tout en bas. Juste parce que le jeu refuse de prendre en charge. J'ai l'impression d'entendre des pas tout le temps en ce moment. Oh ouais, c'est ce qu'on appelle la folie mec. Voilà. Fais ça bien. Hein. Ah, je vous fais ça, mais aux petits oignons. Hein. Fais voir ta gueule. Allez, joue pas les timides. Ça a l'air trop stressé, messieurs. Bougez trop. Ça sert à rien de se cacher. Ce sera bientôt fini. Ouais, pourtant, là, moi, ça me sert plutôt bien. Hein. D'ailleurs moi saisi la direction dans laquelle j'étais. C'est déjà bien. Arrête de gigoter, tu es trop stressé. Tiens, prends-toi une petite balle. Quand t'es déstressé un petit peu. Peut-être aller mieux. Oh, c'est possible. Je ne suis pas concerné personnellement. Je me sens juste un peu plus astucieux que vous, c'est tout. Moins con en fait. C'est pas très compliqué, en même temps vous êtes des pires, donc... Les plus cons que vous, c'est des raiders, quoi. Les raiders, ils ont bouffé trop de chair humaine, hein. C'est juste des gars comme vous qui ont bouffé trop de chair humaine au bout d'un moment. Hein. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant que je vous ai attendri, hop. Il est où l'autre? Voilà, il est là. Voilà. Alors, faire toujours attention aux pièges parce que la mine tout entière a l'air d'être bien piégée. Du moins comme il faut. C'est dommage qu'on puisse pas avoir de vrais récupérateurs, genre qu'on envoie après dans les lieux qu'on a terminés. Hop, pour récupérer du matos, c'est tout. C'est toujours un petit souci d'organisation. Après, attention, je suis médisant, il y a peut-être ça d'ailleurs. Mais pas encore à mon niveau. Batterie de fortune récupérée. Pensez souvent y mettre des batteries de fortune. C'est une très bonne chose pour nous.
Voilà. Ouais. Psycho. Tablis d'armes. Hop, des os. Des os. Des os. Des os. Des os. Des os mode. Voilà. Ça va alléger le poids. Faut porter. Ça va faire du bien. Alors toujours aussi bien suivre les courants électriques. Ça a son importance. Souvent il vous indique les pièges. Il y a un champion là-bas. Genre tu m'as perçu. Voilà. T'as vu le chien? T'es un ninja? Elles sont toutes rentrées. Alors là, par contre, j'avoue, j'ai eu de la chance. Les 4 balles sont rentrées. Par contre, j'avoue aussi, mon pote, que t'as une tête en béton. Ici, qu'on échange. Ouais, genre tout ça. Tout mon bric-à-brac, en fait, ça m'arrangerait le chien. Il y aura un sacré coup de main. Voilà. Déjà, tu m'aides pas mal en armes. Ça. Voilà. L'armure, il reste des trucs à prendre. Vas-y, serre-toi. Fais-toi le plein, que je sois tranquille. Je suis déjà beaucoup plus tranquille. Ok. Ouais. Ils ont bien éclairé le bousingue. Le jus pour moi c'est quand même plus pratique hein. Je suis un ninja de l'ombre ancestral parce qu'il y a l'ombre moderne aussi, il y a l'ombre new age. Alors terminal de la station numéro 3, bah, j'ai raté le numéro 2 moi tiens. La même chose en fait hein. La happy hour, le pique-nique, le machin. Ok, tu sers à rien. Tu sers à rien pour moi, je suppose qu'après un informaticien qui a un haut niveau, ça lui sert à quelque chose. D'écoute même assez efficace. Merde, c'était quoi ça? Et je te bois. Edlame. D'accord. Le boss est une femme. Il y en a qui disent que c'est toujours moche de devoir descendre une femme. Sache que ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, c'est un grand plaisir. Merde, j'y vois plus rien. J'y vois très bien. Et là au sol qu'elle arrête de gigoter là. J'ai l'impression de tirer dans le mur là.
On se calme, on se calme, on se calme. Il n'a aucune chance de survivre à ce qui va t'arriver. Aucune. Ah, je sais que t'es là. Je vais trop mal. Voilà. Tu m'as vu. C'était la dernière chose que t'as vue, d'ailleurs. Alors, plus qu'à informer les habitants, on va jeter quand même un œil en bas parce qu'il doit y avoir le magot. Ah mon toutou, t'as la pêche? Nickel. Pas un bon toutou, hein, y a pas à dire. Histoire à dormir debout. Vous avez trouvé un numéro du magazine Histoire à dormir debout. Réduit de 5% les dégâts infligés par les robots. Parfait. C'est parfait. J'ai pas l'état de ferraille, en plus ils font super mal. Ce qui est bien, c'est que c'est généraliste d'une certaine manière, c'est-à-dire que ce soit des armes à énergie, des armes de combat, de close combat ou de choses comme ça. Oh. J'ai pas vu qu'il y avait un micro. Une similitude. On va aller loin. Hein. On va aller très loin. Une similitude. Ça peut être le I. Ça peut toujours être le I. Peut toujours pas être le I. Alors attendez. Une similitude. Aucune similitude. Aucune similitude. Monnaie. Ah, une sur le premier. Deux. Ok, cherchez pas, c'est ça. Ménage en cours. Nouvelle interruption. On craint rien dans la lumière. Ok. C'est cool, ça servait à rien. Alors, des points 22. Une jambière gauche, un plastron. Ça bouge quand même cette montagne, hein. Elle est pas stable, hein. On va dire le Commonwealth, ça a l'air d'être un vrai gruyère. De société, machin. Ah, des bastos de 10 mm, ça fait plaisir. En sachant que pour moi ça s'est très bien passé parce que j'ai consommé très peu de balles de 10 mm. Comme quoi, vous voyez, l'épisode tout pourri qui était juste avant, quelque part, m'a bien servi. Ce qui m'a permis d'économiser énormément de balles, parce que c'est là que j'en aurais gaspillé le plus. Et j'ai tout fait en mode furtif, ce qui m'a permis d'en gagner, d'en économiser, mais la dose. La dose. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? C'est le bout de crâne de quelqu'un? C'est une mini-bombe nucléaire. Voilà, la mini-bombe nucléaire. Des vraies munitions, nous. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ah, c'est la sortie du donjon à tous les coups, non? C'est par ici. Ah! Oh! Ça a l'air d'être la suite. Ça semble être la partie avec les ghouls. C'est bien connu que c'est toujours la partie la plus cool. Bon bref. On sauvegarde parce que les ghouls là, là c'est le gros territoire à ghouls, ça va être dangereux. Ah, pourquoi vous m'avez l'air vivant, vous? Je mettrais bien une petite balle de sommation par principe dans la face. La ghoul sauvage traqueuse là. Sauvage errante. La traqueuse.
Voilà, j'ai eu la petite bière. Un maximum de concentration. J'avais eu trop de chance, du coup ils m'en ont enlevé un petit peu. Voilà, c'est bon. Ça s'est passé quand même. Ah, j'arrive pas à vous viser la tête, c'est chiant. Voilà, ça c'est fait. Ok, le carbu. Ils ont des girages. Chien s'il te plaît. Échangeons. Je sais que t'as encore un peu de place le toutou, alors fais pas genre. Et arrête de bailler, arrête de faire genre, ça te saoule. Ouais. Ok. On est full. J'ai dû passer sur l'établi pour débolir des trucs, mais je suis pas sûr que j'aurais vraiment gagné quelque chose. Eh ben on peut dire que c'était cool. C'était cool. Non, vous aimez toujours pas cette blague? Bon, je vous la referai, n'inquiétez pas. Alors, le niveau 20. Allons-y, parlons-en. Parce qu'on en parle, on en parle. Mais il faut agir un peu. Alors déjà, faut le niveau 21 ici. Bon, c'est pas urgent. Je prendrais bien le bonus avec le chien. On aurait bien le bonus avec le chien, mais il y a une chose qui m'intéresse, c'est ça, chef local, et ça nécessite 600 charisme, ce qui n'est pas encore mon cas, donc, prenons du charisme, un petit peu. Hein ? Qu'est-ce que c'est que quoi ? C'est de la brise de drogue dure ou... Oh, ah, vous avez vu ça comme moi, hein. C'est chelou, hein. C'est louche, hein. Plutôt par là, s'il te plaît. J'aurais dû m'entraîner à faire du critique... là-dessus. J'étais un peu bête. Tiens, tiens, tiens. Le courant est coupé, ce qui m'arrange toujours. Bien, les ghouls, ils sont comme moi, ils aiment bien couper le courant. Il y a deux zones d'accès. Si ça va être un cul-de-sac par là. Et c'est pas un cul-de-sac. C'est un crochet. Ça permet de faire un tour. Ouais, 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 faisons ce tour. Je m'attendais pas à un truc aussi grand du coup. Du coup... Squelette. Alors, il est mort de chez mort, il est cuit.
Là-bas, on va aller voir vite fait. Tac, ça. Va être encore une suite d'autres choses qui va m'amener encore ailleurs, de probablement nulle part. On s'en sortira jamais sinon. Oh là là. Non, très grand ici. Toi, t'es vivant. Arrête de faire genre, tu vois. Je veux la tête en fait, les gars. Voilà. Sa tête. Alouette. La fourchette. Et les pépettes. Là-bas aussi, il est vivant. Et lui là-bas aussi. Peut-être pas à l'autre bout. Voilà, pour éveiller les ghouls, vous avez surtout bien des objets par terre. C'est là qu'il faut bien faire attention, il faut bien les ramasser. C'est ce qui éveille les ghouls. Donc bon, si vous pouvez les fumer effectivement quand ils dorment encore, je dirais que c'est cadeau. Ah non, tu ne te relèveras pas toi? Ah si, tu te relèveras. Voilà, relève-toi. Ah, ma jauge de critique est montée. Oh, on va peut-être pas s'emmerder avec ça. Il y a quasi 3 balles pour toi. Fumier, va. Ok. Poste 4. Ouais, la figurine de furtivité. Ah. Bien. Je suis content. Là, je suis content. Là, je passe une bonne journée d'un coup. Alors que c'est la même journée où je tourne l'épisode pourri. Lire la bande. Ici Team Shoot. Ça n'a pas éveillé les soupçons quand le nouveau matos est... Ah. Alors, attends. Éjecter l'holoband, voilà. Donc, on va peut-être pas passer la journée sur place. Hein? Non plus. Divers, ça doit être là-dedans. Holoband quelque chose. Histoire de... Team Shoots. Ici Team Shoots. Ça n'a pas éveillé les soupçons quand le nouveau matos a été amené l'autre jour. L'équipe de la station 4 pense toujours qu'on installe une nouvelle station plus loin. Les gars que vous avez embauchés sont convaincants. Mais les chefs de projet des autres stations m'inquiètent un peu. Surtout Bob, de la station 1. On sait tous qu'il prend son boulot très à cœur. Je ne supporte pas ces mises à jour détaillées. Quelque chose me dit qu'il va se douter de quelque chose tôt ou tard. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dis excellente question, mec. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on meurt tous. Ça se pose pas de questions. Question débile, réponse débile. Ouais, je suis en train de me vider du coup, hein. Je me dis que malgré tout, il faut pouvoir avancer. Merde, plus voulais-je dire. Bon, pas grave, je laisse ça là. C'est juste pour faire une sauvegarde rapide, pour faire demi-tour, parce que du coup, je pense que la suite est par là et pas là-bas. Alors, il faut qu'on retourne par là-bas. Ici, de ce côté-là. Casque de mineur, hop, la boîte de conserve. Qu'est-ce qu'on a par ici? Y a rien. Ça remonte vachement en fait. Hein. C'est pour ça que ça me donne l'impression que y a quelque chose au bout. Il semblerait que non. Je vois rien en même temps.
On voit que Chikucha. Ah. Ganayu va. Ghoul légendaire. C'est cool hein. Allez, tu te calmes tout de suite. Voilà. Là au moins t'es calmé. C'est bien ce que je disais, c'est un cul-de-sac. Alors, ralentis temporairement le temps au combat quand il vous reste au minimum 20% de santé. Oh, c'est marrant ça. C'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Mais bon, quand il me reste 20% de santé, moi ça veut dire que la moindre baffe me tue. Hein, donc, c'est marrant, mais c'est pas vital pour moi. Allez, plein de matos. Une boîte à drogue à déverrouiller. De ce côté-là ou de l'autre côté, de l'autre côté. Voilà. Bon. Voilà mes lapins. Hop, et moi debout. Là. Les clés, les machins. Ok. 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 Après ça on s'en fiche, on s'en fiche. Le reste, on s'en pète. Ah, ça monte encore. Ça nous ramène à la sortie, ça. Ça va nous ramener à notre sortie. C'est un cadavre. C'est le cadavre d'un type. C'est la sortie, à mon avis. Enfin, ce chemin-là. Et la sortie qui va nous amener, je pense, à la porte verrouillée qu'on avait vue en hauteur, alors que l'autre va nous amener sur l'autre sortie d'un donjon, dans un autre donjon en fait. Voilà, on se calme. Brumeux à souhait. Horreur. Et ça remonte par ici. Qu'est-ce qu'on a? 4 grenades à fragmentation. Hop hop hop, il y avait un piège. Alors lui je l'ai pas vu. Vous ferez attention, il y a un piège. Ah oui, avec le verrouillage juste sur le côté. J'avais pas fait attention. Exact. Ah, bien vu, bien vu. C'était bien joué. Je pense qu'on revient dans la partie vraiment... Vraiment, vraiment... celle qui ne m'intéresse pas. Celle qui m'intéresse, celle avec les ghouls. Écoutez, hein, si on sort... On sort. Et voilà, on sort. On est donc pas allé jusqu'au bout du donjon. Hein. Voilà, il y a un mur invisible. Ah non, il y a une poutre en métal qui m'empêche d'aller. Ok. D'autres tables. L'eau sale, ok, je prends. Très très intéressant. Très très intéressant comme donjon. Ok. Eh ben écoutez, ce qu'on fait... ce qu'on fait, c'est que cet épisode est largement assez long. Je pense. Je pense. Donc on se retrouve dans un prochain épisode à nouveau en bas pour explorer le reste et rapporter la quête au ghoul. Ok, ça marche? Bah écoutez, c'était Knarfanction comme d'habitude Gaming. Je vous dis à la prochaine. Ciao!